Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo haul puisque j'ai énormément de choses à vous présenter. Je pensais vraiment pas que j'aurais tant de choses à vous montrer, mais j'ai eu plusieurs surprises durant ces deux dernières semaines, plus j'ai fait quelques achats. Donc je vais vous le montrer tout de suite. Je vais commencer par mes achats Etam. Donc pour celles qui ne sont pas encore au courant, je n'ai pas donc remporté le voyage à Hawaï, parce que de toute façon sinon je ne serais pas là dans ma chambre. Et donc on avait eu durant la journée d'entretien la possibilité de dépenser donc 100 euros dans le magasin, donc offert par Etam. Et il y a quelques, je dirais une semaine environ, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres une carte cadeau de 100 euros supplémentaires, plus un bon me permettant de choisir un maillot de la collection gratuitement. Donc je ne savais pas du tout que j'allais recevoir ça. J'en ai profité, donc j'ai pas tout dépensé encore, mais donc j'ai fait quelques achats, je vais vous le montrer tout de suite. Alors en ce qui concerne le maillot gratuit, donc c'était pas évident de choisir puisque j'ai reçu, pu aller choisir environ 2 jours avant la fin des soldes, donc il n'y avait plus rien, c'est dommage, il n'y avait vraiment plus rien. Il restait quelques hauts par-ci par-là, il n'y avait pas le haut ou pas le bas qui allait avec. J'ai réussi à trouver un seul maillot et en plus qui est très joli, donc je suis contente, mais franchement si je ne l'avais pas trouvé, je pense que j'aurais rien pu prendre. Donc c'est un bas noir basique qui ne fait pas bikini, hein, c'est... Enfin, il n'y a pas les ficelles sur les côtés, mais par contre ce qui est joli c'est qu'au milieu vous avez un espèce de plissé. Et je trouve ça assez sympa, ça fait une belle coupe, ça fait légèrement un V en fait. Et donc du coup ça met assez en valeur on va dire, c'est vraiment sympa. Et ce que j'ai adoré c'est surtout le haut. Vous allez peut-être pas me croire mais avec tous les maillots que j'ai pas de maillot noir. Et pourtant je trouve vraiment que c'est magnifique un maillot noir sur la peau bronzée. Donc j'ai pu enfin en prendre un. Et donc c'est, bah, vous savez les bandeaux qui se twistent comme ça. Donc avec possibilité de faire un nœud derrière, il n'y a pas de clips. Donc voilà, je trouve vraiment très joli. Après avec la carte cadeau, j'ai donc acheté quelques trucs. Alors un truc soldé que tu as à 5 euros au lieu de 10 pour le plaisir. Parce qu'en fait en ce moment, je me regarde la série, re-regarde la série Gossip Girl. Et j'avais oublié que Blair dedans dort toujours avec un truc sur la tête. Un cache... oh je sais plus comment ça s'appelle. Un masque de nuit en fait. Et du coup ça m'a donné envie de m'en reprendre un. J'avais pas pensé sur le coup et j'ai vu au comptoir qu'ils étaient soldés à 5 euros. J'ai trouvé très très mignon. Donc voilà, je me le suis pris. C'est vraiment cool de dormir la nuit avec ça. Et je suis quelqu'un qui se réveille énormément la nuit. Je ne sais pas pour quelle raison, je me réveille toutes les 2-3 heures. Et en fait, je pense que c'était à cause de la lumière. Parce que j'ai... ma chambre n'est pas totalement dans le noir. Il y a un soupçon de lumière. Et depuis que je mets ça, je ne me réveille pas. Donc c'est vraiment top. Après, le reste de ce que j'ai pris, c'est la nouvelle collection chez Etam Lingerie. J'ai trouvé un petit haut léopard comme ça. Alors, je suis fan du léopard, mais plutôt léopard blanc comme celui-là en fait, que léopard totalement fauve. Je trouve ça vraiment magnifique. Donc c'est un petit haut voilà, pour dormir ou pour traîner à la maison. Avec les petites dentelles. Donc vous voyez les petits détails. Donc il est vraiment très joli. Il est à 17 euros je crois. Et vous avez les petites dentelles encore en bas. Pour aller avec ça, je me suis pris un petit short pour traîner à la maison tout simple aussi. Donc un short en coton qui doit coûter environ 12 euros je crois. Ça doit être quelque chose comme ça, 12 euros. Donc voilà, c'est tout con, hein. C'est un petit short pour faire un nœud. Donc voilà, c'est vraiment un short basique. La dernière pièce que j'ai prise, c'est vraiment là un gros coup de cœur. C'est une très belle pièce je trouve. C'est un short qui devait être à 16 euros. Donc avec ce motif là, donc il y a une doublure hein, qui est recouverte donc par les petits motifs en dentelle. Ensuite j'ai acheté une robe chez Zara, je vous en ai parlé il y a quelques jours sur Facebook, je vais vous la montrer tout de suite. C'est la nouvelle collection aussi. Donc c'est une coupe très classique, je dirais un peu à la Victoria Beckham. Enfin, je sais pas si vous voyez le genre de robe qu'elle porte, c'est ce genre de coupe là, très classique, très moulante. Donc c'est un corail rose. Alors je sais toujours qu'en caméra ça rend rouge ou orange, mais c'est pas du tout comme ça en vrai. C'est flash comme ça, mais ça fait beaucoup plus rose quand même. Enfin je sais pas, mais bref. C'est vraiment magnifique, donc il y a les petits détails ici. Elle coûte 39,90. Vous avez des petits trucs de rechange dedans normalement. Et derrière ça fait légèrement échancré dans le dos puisque devant comme c'est une coupe classique c'est pas échancré. Donc ça vous fait un petit décolleté dans le dos. Voilà, je la trouve superbe. De toute façon comme je vous ai dit hein, je vous prépare un lookbook.
que je mettrai sûrement en attente et que je vous diffuserai une fois que je serai partie en vacances. Et donc il y aura cette tenue dedans. Alors après, on passe aux produits cosmétiques. J'ai fait une commande chez Corinne de Farm puisque j'ai utilisé à peu près tous mes solaires, j'avais plus grand chose. Et j'ai vu qu'il y avait des soldes sur leur site assez sympa. Donc je l'ai reçu là vraiment il y a 2 jours, quelque chose comme ça. J'ai pris 3 produits parce qu'en fait il y avait un lot, il y a plusieurs lots en fait qui étaient proposés. Et là c'était un lot à 12 euros et quelques au lieu de 22 et quelques. Donc c'était quand même pas cher puisque en moyenne c'est quand même le prix d'une seule crème solaire. Et c'était le lot de 3 produits en fait. Donc il y a l'étape 1 qui est un accélérateur de bronzage. J'ai toujours eu envie de tester ce genre de truc. Et je voulais aller chez Leclerc et j'ai trouvé aucun produit solaire de chez Corinne de Farm malheureusement. C'est pour ça que j'ai dû commander. Donc là le principe c'est une sorte d'eau un peu qu'on se vaporise sur le corps plusieurs jours avant l'exposition. Et les premiers jours de l'exposition on vaporise, on laisse sécher un petit peu et après on met la crème solaire par-dessus. Donc il n'est pas question d'utiliser ça directement au soleil sans se protéger, on met la crème solaire par-dessus. Ça sent bon, ça colle pas. Bon voilà, je l'ai utilisé qu'une seule fois donc pour l'instant je pourrais pas vous dire si ça fonctionne, mais je trouvais ça intéressant de tester. Pour l'Italie, vu que le soleil tape un petit peu plus qu'ici, j'ai pris de la 30. Parce qu'en fait dans les lots on n'a pas le choix, hein, il n'y a que de la 30 ou de la 50 quasiment, ou alors des huiles sans protection. Donc j'ai pris de la 30 au Monoï de Tahiti d'origine 100% naturelle, testée sous contrôle dermatologique. Je ne l'ai pas encore essayé parce que je finis ma dernière Protect and Bronze de Nivea, mais je l'essaierai et je vous en dirai des nouvelles. Et enfin le troisième produit du lot, c'est un lait après soleil, hydrate et apaise, au Monoï de Tahiti toujours pareil, hein, 100% naturel, enfin c'est 1%, hein, c'est quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas d'autobronzant dedans, c'est vraiment juste un lait après soleil. Et il sent pas mauvais. Et ce que j'aime bien, donc là ça fait une ou deux fois que je l'applique, c'est que c'est une texture qui est entre le lait et la gelée. C'est pas vraiment que du lait. C'est pas que un lait pour le corps en fait. Ça fait vraiment un petit côté gelée, je sais pas comment dire ça, un petit côté translucide, un petit côté gelée quoi. J'essaie de vous montrer. Vous voyez, c'est un peu fondant, transparent, ça fait pas. Ça s'efface tout de suite, ça fait pas du tout blanc comme un lait. Lors de votre commande, il y a aussi. Alors là, je l'ai pas sur moi. Il y avait un code Brumi, Brumi13, je crois. Et en fait, ça vous faisait avoir une bombe Evian 150 ml vaporisateur gratuitement. Donc voilà, je l'ai pris, c'est cool. Et dedans, ils vous font choisir des échantillons de produits Corinne de Farm. Il y en a environ 9 et vous en sélectionnez 3 au choix. Là c'est des gels et shampoings donc c'est pas très intéressant, je les ai pas encore essayés. Mais voilà, je trouve que c'est un site sympa et avec le petit code promo c'était quand même assez intéressant cette commande. Ah bah si, je l'ai là. Donc voilà, vous avez une bombe comme ça de cette taille. Dernière chose dont je voulais vous parler, donc il y a quelques mois je vous avais fait une revue sur le lissage brésilien Absolue Lisse qu'on m'avait envoyé donc pour tester. J'ai reparlé avec l'équipe de la marque depuis. Pour relancer le programme, en fait, je sais pas comment vous dire ça. Je vous avais dit que je voulais garder mes cheveux bouclés, naturels, etc. Sauf que j'ai eu un énorme problème, même si je trouve ça très joli. C'est que mes cheveux s'en mêlent. Mais quand je vous dis s'en mêlent, c'est pas des nœuds, c'est des dreadlocks, quoi. C'est vraiment l'horreur. Là, j'ai dû mettre 3 jours à démêler ce que j'avais comme dreadlocks. Et en plus, c'est pas, elles se font pas ici, les dreadlocks, ni même là. Elles se font derrière. Contre le crâne, donc c'est une horreur à démêler parce que je ne vois pas ce que je fais, ça me fait mal au bras, etc. Et c'est des dreadlocks énormes comme ça. Et le problème, c'est que ça se fait en 2 jours. Mes cheveux ne. Enfin voilà, je dois choisir entre le démêlage et les cheveux raides, donc pour pas avoir de dreadlocks ou des belles boucles. Sauf que derrière, c'est l'horreur. C'est limite si. Enfin, je me suis arraché tout ça de cheveux. Donc je peux pas me permettre de les laisser au naturel. Ils se mélangent. Enfin, ils s'en mêlent beaucoup trop, c'est vraiment horrible. Donc je vais me repasser au lissage brésilien, sauf que cette fois ça va être un programme beaucoup plus lourd dans le sens où je vais donc refaire le lissage brésilien que la marque m'a renvoyé, mais après je vais suivre une espèce de traitement adapté à ce lissage brésilien pendant 3 mois et le but ça va être donc déjà de voir pour moi si ça répare mes cheveux, si ça me les nourrit, si ça me les redémêle, etc. comme ça avait fait la première fois. Et voir aussi sur 3 mois avec les produits de la gamme s'il y a donc une amélioration, est-ce que mes cheveux sont plus beaux, plus faciles à démêler, un peu plus lisses, moins. Enfin voilà.
Donc je vais vous montrer les produits qu'on m'a envoyés donc, pour ce faire. Le lissage brésilien, je vous l'ai montré. J'ai re-eu le shampoing balayant absolu, donc sans sulfate, sans parabène, etc. Un autre shampoing, donc puisque le but c'est sur 3 mois, donc il va falloir, quand même falloir que j'en ai en stock. Donc pour les cheveux fragilisés, lissés et entretenir le lissage brésilien. Après, j'ai eu un masque. Donc le Luxury Smoothing Mask à l'extrait d'immortelle biologique corse et à la kératine. Également un sérum brushing absolu. Donc ça c'est vachement sympa. Thermoactif. Toujours avec la kératine et l'extrait d'immortelle. Donc ça je trouve ça vraiment vraiment cool. Et enfin, afin de parfaire de l'intérieur les effets donc qu'il va y avoir sur mes cheveux, des gélules. Donc là j'ai 3 boîtes donc pour 3 mois. Donc des gélules qu'il faut prendre donc 3 fois par jour, matin, midi et soir. Donc à la levure de bière, au blé, à la gelée royale, aux vitamines et aux minéraux. Je vais vous faire une vidéo la semaine prochaine sur l'application de mon lissage brésilien. Donc cette fois tout sera filmé. Je vais appliquer le lissage brésilien. Dans la même vidéo, je vais vous montrer la routine. Donc 2-3 jours après le lissage brésilien avec le shampoing, le masque, le sérum, etc. Et après, je vous ferai une vidéo un mois après, je pense, pour les résultats, après mes vacances en plus, parce que je vais passer pas mal de temps à la plage, au soleil, donc voir si ça nourrit bien mes cheveux. Et surtout, 3 mois après maintenant, donc 2 mois après la première vidéo, pour faire un bilan sur l'efficacité de ces produits, tout simplement. Donc j'espère que ça vous plaira. J'espère aussi que ça va marcher pour mes cheveux parce que là j'avoue que j'en ai perdu facile un millier avec tout ce que j'ai arraché. Voilà, j'espère que ça vous plaira les filles. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve très très bientôt donc pour la vidéo d'application, du lissage, de la routine, etc. Il y aura tout dans la même vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.